Salut les amis, donc aujourd'hui on va faire une ouverture de la Pokébox Kyogre. Donc j'ai déjà ouvert la Pokébox Groudon. Donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir, je mettrai un petit carré rouge. Donc on va enlever les trucs ici. Derrière on a un petit truc comme ça. Donc je vais vous présenter la boîte quand même. Donc ici on a Groudon. Hop. Et ici Kyogre. Très belle boîte. Donc voilà, Kyogre X. Je vais prendre un petit protège-carte pour la mettre. D'abord, je vais vous la présenter un peu plus près. On dirait un peu. Elle est un peu bizarre quand même. Il y a une orque ou un truc du genre. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, bon, ok. Bon, bah, je l'ai fait tomber en espérant que je ne l'ai pas abîmé. Tac, tac, tac. Alors. Donc. Je vous donne le code. Hop, c'est le code qui débloque un deck, je crois. Ouais, ça. Donc cadeau. Je vous présente vite fait la carte Kyogre X, qui est magnifique. Hein, qui n'aime pas les cartes qui brillent. Bon, elle est un peu blanchie sur un des bords. Hein. Pas grand chose. Elle est magnifique. J'aurais dû le faire avec la bouche ouverte, ça aurait été mieux. Hop, je la mets de côté. Donc, après le reste, ça se présente comme ça. On a 4 boosters. Donc un booster Primo Choc avec Primo Groudon, un booster Point Furieux avec Méga Lucario, un booster XY donc étincelle d'Emelio je crois, mais je suis pas sûr, je me rappelle plus, et Yveltal. Donc la première série, celle-là je crois que c'est la troisième, c'est la quatrième et celle-là cinquième je crois. Mais je suis pas sûr. Donc on va commencer par aller par l'étincelle. Ouais. Non, par Point Furieux, on va commencer. Tac, allez, c'est parti. Espérons avoir une petite ultra. Ça ferait toujours plaisir parce que la dernière fois j'ai pas eu d'ultra, c'était un peu dommage. Hop, comme la même. 1, 2, 3, 1, 2, hop, hop. Donc, Pikachu. Peut-être zoomer un petit peu.
Magmar. Flingoust. Kung Fuin. Chétiflore. Capoeira. Ceinture force, dresseur. Collecte d'outils, dresseur. Donc, en reverse, je crois, ouais, ça. En reverse, Mélofée et Boreas en rare, d'accord. Pas terrible comme premier booster. Espérons fermer dans l'étincelle. Tac, je vais vous donner code online. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, hop. Donc, Bagiguane, Flabébé, Moufouette, Lixi, Fluvetta, Fanclub Pokémon, Gravalanche, Crisacier, donc en reverse Grelasson et en rare Fouinard, d'accord. Donc on va passer au booster XY dans la première série avec Yvette, Pâle, etc. Donc espérons avoir de la chance. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Tac, tac. Donc Charpentier, Abo, Zorua, Cabriolène, Venipat. Sepiatop, donc dresseur, cercle des ombres, énergie, énergie multicolore, très bien. Scoboli dans, je sais pas, attendez, en reverse et en rare trio piqueur, d'accord. Bon, c'est pas parti très bien. Donc dernier booster, Primo Choc, espérons avoir un peu plus de chance. Et bon. Dans les, comment dire, dans le Pokébox, le truc c'est que pour ceux qui ne le savent pas, soit on a quelque chose d'hyper bien, soit c'est pourri. Que dire de plus? Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, on garde la rare et reverse, etc. à la fin. Donc Lumivol, Solarok, Gobou, Krakno, Tarinor, Lampérois, Scuba Ball, Énergie Merveille, une Tentacruel en reverse, d'accord, et ils se foutent de ma gueule en ce moment. D'accord, bon, super. Une pioche toute pourrie, mais bon. Pas grave. Bon, bah j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si on n'a pas eu une pioche fameuse, pas fameuse, non. On n'a même pas eu une seule holo, donc bon, pas très grave en soi, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt. Ciao.